Patrick Chesney est un hypochondriaque qui s'assume. À 70 ans, l'acteur guette l'ennemi intérieur Quest la maladie, avouant, dans les colonnes de Gala, de ce jeudi 9 février, être un angoissé. Il y a des matins miraculeux où tout va bien, mais d'autres où je suis de mauvaise humeur. Avec ces jours-là, le comédien, qui a joué dans Noir Enigma, Bienvenue parmi nous ou encore Jaune Iris, dit ne pas toujours voir de perspective pour la suite. Si est-il compliqué de se projeter à partir d'un certain âge, poursuit l'acteur victime du Covid-19 en 2020. On se lève moins facilement. Sans parler de l'arthrose ou de la prostate. Qui ne réussiront pas à le faire céder aux sirènes de la retraite. Prenant en compte la pénibilité de certains métiers, le père de famille fait partie de ceux qui n'ont pas envie de lever le pied, préférant continuer à travailler parce que ça donne un sens à la vie. Supérieur à supérieur à Patrick Chesney, Noir Enigma, qui est sa femme Josiane Stoleru. Patrick Chesney fait son mea culpa habitué au registre de l'émotion, au rôle de bougon qui cache une certaine tendresse, ce qui lui plairait si est-il d'interpréter à nouveau Don Quichotte. Un vieil homme qui se bat contre les moulins. Un redresseur de tort drôlatique avec une vision enfantine, glisse Patrick Chesney en promotion pour son troisième livre intitulé Lettres d'excuses, aux éditions de l'Archipel. Un ouvrage dans lequel il fait son mea culpa auprès de ceux qu'il a pu blesser, délaisser ou heurter, mais surtout à celles qui partagent sa vie depuis près de 40 ans. À Josiane Stoleru, il présente ses excuses pour ses liaisons desquelles sont nés deux enfants, de deux femmes différentes. J'ai cherché à droite, à gauche et finalement ça a été l'élu, confie-t-il à Gala. Elle est à part. C'est organique. Elle a le don de ne pas être atteinte par mes incartades. Elle a toujours su qu'elle était la femme de ma vie et que j'étais l'homme de sa vie. Et elle a eu raison. Avant de conclure, on se comprend et puis elle a à peu près mon âge, et finalement c'est bien. Retrouvez l'intégralité des confidences de Patrick Chesney dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 9 février ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, France Chavaroche Nice Matin.